panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just hit the lean in the family. Credit cards in the scammers. Ain't no licks in the bank. Hey, salut tout le monde, c'est Ultra, j'espère que vous allez bien, en tout cas, j'ai super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle aventure de Largal Ravitaillement sur World War 2. Et comme vous avez pu voir, je suis allé au coiffeur. Enfin, ça fait du bien. Tiens, alors en tout, on a 2 plus 8 plus 5 Largal Ravitaillement, ce qui nous fait 15. On a 15 Largal Ravitaillement ouvert, on va commencer par Largal Ravitaillement normal, ceux d'hiver, puis ensuite, on va faire les rares. Et ben, vous savez quoi, on est parti, en tout cas, j'avais bien apprécié le premier épisode, et donc voilà, c'est pour ça que j'en refais aujourd'hui. On va commencer tout doucement avec... Marine soviétique. Ah, il est pas mal. Ah, XP d'armes 20 minutes. Ça, c'est bon, ça, par contre. Enfin, même si l'XP d'armes, enfin, que le double les armes ou quoi. Enfin, en gros, l'XP d'armes, j'en ai un peu rien à foutre, mais quand même, c'est pas mal. Voilà, bon, on a déjà ouvert les normaux. On va passer tout de suite. Putain, c'était rapide, hein. C'était bien rapide. On va passer aux ouvertures d'argas de ravitaillement divers, spécial Noël et tout. Oh, j'ai un truc hiver déjà. Ça, c'est bon. Point stratégique, emblème. Oh, j'ai l'emblème du point stratégique des doublons et des doublons. Ouais, on va dire ça passe, Ah, mais je pense qu'à chaque fois, il y en a un d'hiver par truc, d'où les largages de ravitaillement d'hiver, bref. Il se fait d'armes 10 minutes encore, infanterie soviétique et douille. On se fait douiller. Après, je demande nul, on va ouvrir le... Je sais pas combien tième, mais... What? C'est quoi? Comment il s'appelle ce casque? SSH? Ça, c'est mon fusil, carte vide. Oh! Elle est pas mal. Avec le petit sniper, je crois que c'est. Ouais, c'est le M1903, je sais pas quoi là. Enfin, c'est le M19 sniper, je sais plus quoi. Et le dernier d'hiver, allez, un bon truc. Putain, bon. Pour l'instant, j'ai pas encore eu d'armes. Espérons que les 8 prochains, on va dire, j'ai au moins 2 armes. J'aimerais bien avoir au moins 2 armes. D'ailleurs, je vous présenterai le fusil à pompe, je pense, très bientôt. Parce que c'est vrai que j'avais reçu un fusil à pompe dans la précédente vidéo. Mais j'avais malheureusement pas pu le présenter. Donc peut-être que je m'en occuperai dans une prochaine vidéo quand j'aurai fait le truc pour avoir ce pompe, on va dire. Et donc voilà. Là, on va ouvrir les rares. Là, on va passer aux choses sérieuses. Et j'espère vraiment avoir de très très bons trucs. Ouais, de la merde, c'est la... Attends, on est d'accord, c'est largage de ravitaillement rare. Oui, largage de ravitaillement rare, enfin ravitaillement rare, alors que les largages de ravitaillement, j'ai limite de meilleurs trucs dans le premier haut. Bon, déjà, c'est que des trucs avec... Je sais pas comment expliquer ça, mais genre quand la carte elle est retournée, genre les trucs qu'il y a autour. Oura, phrase, rare. Oh, une petite phrase, c'est vrai que je les ai pas changé mes phrases, genre les trucs quand t'es assis et tout, enfin voilà, je pense que vous m'avez compris. Craquer les doigts des doublons et concentration carte de visite. Allez, s'il vous plaît, au moins une arme. Ah, franchement, si jamais j'ai pas une arme, j'ai pleuré. Allez. Putain, mais encore une poignée. Des poignées, c'est abusé comme il y en a. Encore XP d'armes et encore une phrase. Allez, 5, au moins 2 armes. Allez. Ouh, déjà, il y en a un, il a l'air pas mal. S'il vous plaît. Yes! Bon, bah, du coup, peut-être que c'est de la merde. Mais au moins, j'ai une arme. Voilà, c'était mon objectif. On va dire, oh, je m'en fous de l'arme. J'aurais bien aimé avoir un autre sniper, mais bon. Ensuite, j'ai eu tempête de neige, XP 5 minutes. Allez, bon, voilà. L'arme, c'était l'AGT, le Sibérie, là. Barre de configurie, pas mal comme carte de visite. XP d'armes, encore et toujours. Et tankiste américain, armor raid. Encore un truc qui a l'air pas mal. Hiver soviétique, paparazzi et XP de division. Putain, j'ai eu beaucoup d'XP. J'ai eu plus d'XP que de poignée, je crois, là. Ouh, il y a un truc qui a l'air pas mal. Allez, s'il vous plaît. Putain, ma manette, elle a failli tomber. L'heure du thé, encore un poignet. Démonstration d'armes. Je crois que c'est le dernier que j'ouvre. Allez, s'il vous plaît. Yes, putain, encore une arme. Elle s'appelle profanateur. Casse-toi. Profanateur. Ensuite, j'ai eu 2 poignées, mais fou, les poignées, c'est quoi? J'en ai plus rien à foutre. Il y en a tellement, mais c'est abusé le nombre qu'il y en a. Bon, maintenant, on va passer, on va dire, au test des armes que j'ai eu, c'est-à-dire la carabine M1A1 et c'était le SVT-40. On va d'abord passer au premier qui est le SVT-40. Franchement, son design, je le trouve pas mal. Franchement, je le trouve assez stylé. Donc voilà, bon, je suis pas quelqu'un qui aime bien jouer avec cette arme, mais bon, franchement, pour le design, j'ai des chances pour que j'y joue, parce que j'aime bien avoir un beau design quand je mets des nucléaires. Quoi que j'en ai jamais mis sur ce jeu. Ah, mais je suis mort, je crois, à 27 kills. Je vous jure, j'avais la haine. Par contre, toi, tu vas arrêter de me voler mes trucs, s'il te plaît. Youssef Haddad. Et maintenant, le profanateur qui est la carabine M1A1, en gros, fin. En gros, c'est la M16 de Black Ops 2, on va dire, parce que vu que ma communauté est majoritairement centrée sur du Black Ops 2. On peut les comparer un peu, parce que les armes un peu de chaque Call of Duty sont plus ou moins toutes les mêmes. Je vais pas dire toutes, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont différents. Par exemple, prendre un exemple quelconque, la PDW, perso, moi, je l'ai jamais reconnu dans un seul Call of Duty. En tout cas, design assez stylé, je trouve, un peu à l'ancienne, j'ai envie de vous dire.
En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et surtout à vous abonner, si pas encore fait. Ça me ferait super plaisir et ça vous permettrait de pas manquer les prochaines vidéos. Et pour ceux qui, pour les vrais qui sont restés jusqu'à la fin, petite annonce pour vous, enfin annonce, c'est bizarre de dire ça comme ça. J'ai récemment lancé un concours sur Twitter pour tenter de gagner non pas un, mais deux comptes lobby sur Black Ops 2. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, c'est totalement gratuit. Toutes les conditions sont sur le tweet, et il suffit juste de me suivre sur Twitter et de retweeter. N'hésitez vraiment pas, c'est totalement gratuit. Et les résultats se feront le 20... c'est le 25 décembre, excusez-moi, c'est juste mon téléphone qui vibre. En tout cas, voilà, moi je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes de fin d'année, on va dire. Et donc voilà, ça, on va dire un peu, c'est un concours spécial Noël, c'est un petit peu un petit cadeau pour vous. Et donc voilà, je ne fais pas sur YouTube parce que c'était un vrai bordel. Je fais qu'un seul concours sur YouTube, c'était un vrai bordel. Et donc voilà. Moi je vais vous laisser, c'était Wilter, je vous dis à très bientôt les amis, prenez soin de vous. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Et bye!